Seigneur, que ce soit fait pour vous, les dieux. Nous voulons les souhaiter également la bienvenue. Amen. Ici, à CDC, nous mettons la particularité sur la délivrance. Parce que nous pensons que, en tant que chrétien, lorsque tu as reçu le Seigneur, cela ne suffit pas. Il faudrait que tu puisses passer par la délivrance pour pouvoir expérimenter les dons spirituels dans sa solitude, dans ta vie. Amen. Et c'est pour cela que dans ce ministère, nous mettons l'accent sur la délivrance. Amen. Pour continuer, nous allons continuer avec les moments d'adoration. Amen. Nous allons encore entonner des cantiques pour dire, pour adorer le Seigneur, pour dire comment il est.
Seigneur, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ. Davantage, nous venons au-devant de toi pour t'adorer. Nous voulons t'exalter parce que tu es le roi des rois. Nous voulons reconnaître ta Seigneurie au milieu de nous ce soir. Nous voulons dire que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et nous sommes venus, Seigneur, ce soir pour t'adorer. Nous sommes venus, Seigneur, ce soir pour t'exalter, pour t'honorer. Seigneur, nous prions que tu diriges, Seigneur, ces moments. Saint-Esprit, que tu prennes le total contrôle de toutes les choses et que tout soit couronné par toi. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez encore bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus ce soir pour prier et j'aimerais attirer notre attention. Si tu es venu avec un fardeau, connecte-toi à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est sur le point de faire un miracle pour toi ce soir. Amen. Si tu es venu, tu n'es pas venu rencontrer un homme ici. Tu es venu rencontrer le Seigneur. Amen. Donc connecte-toi pendant que nous allons passer les moments d'intercession. Dans notre programme, nous avons un message que nous allons donner. Et je vais comme ça introduire maman la prophétesse qui va diriger ces moments. Donc, veuillons acclamer le Seigneur puissant de Jésus. Amen. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Que le nom du Seigneur soit béni, nous sommes au rendez-vous. Amen. Et le Saint-Esprit nous a dévancé dans cette salle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Amen. Ceci dit, nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous t'avons loué, t'avons adoré. Père, l'heure est maintenant venue pour écouter ta parole. Nourris-nous, Seigneur. Fais-nous du bien, éternel Dieu, mon roi. Que ta parole, Père, qui va sortir à travers de ma bouche, Seigneur, ne vienne que de toi, Seigneur. Et qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans les cœurs et dans la vie de chacun de tes enfants, ici présents et connectés en ligne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances des ténèbres, les démons de l'enfer, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits de paresse, de lourdeur, de distraction. Ils sont liés et chassés dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as la bonne place ce soir. Tu as la bonne place ce soir. Alléluia. Si tu as mis ton emploi du temps à part et que tu es connecté en ligne et que tu es présent ici dans la maison du Seigneur, dis à ton voisin, tu as la bonne place ce soir. Tu as la bonne place ce soir. Toi qui es connecté en ligne, qui es à la maison, même si tu es seul à la maison, tu n'es pas seul parce que les anges de Dieu sont là. Et je te dis que tu es connecté au bon endroit ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce ne serait pas une longue prédication, mais avant cela, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Avant que je ne continue. Amen. Amen. Ok. Moi, je prends un témoignage. Alléluia. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur. Pour le simple souffle de vie, il a permis que je me réveille ce matin. Alléluia. Amen. J'ai vaqué à mes occupations. Je n'ai eu ni accident, ni incident. Il était le Saint-Esprit au volant de ma voiture. J'ai vaqué à toutes mes activités, jusqu'au travail, jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie ici. Durant toute la semaine, il m'a gardé. Il a gardé mes enfants spirituels, il a gardé mes enfants biologiques, il a gardé toute ma famille dans le creux de ses mains. Alléluia. Amen. C'est une grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Amen. Il y a Papa Jean-Pierre qui a un témoignage, mais comme on l'a déjà annoncé, il va faire le témoignage après la prédication. Amen. Amen. Bénissons Dieu pour sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème, c'est les stratégies pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Amen. Les stratégies pour vaincre l'ennemi. Amen. Amen. Vous pouvez mettre deux points. Le combat spirituel. Alléluia. Amen. J'ai hésité entre deux trucs, mais bon, on peut les combiner. Stratégie pour vaincre l'ennemi. Deux points. Le combat spirituel. Nous avons trois différents tests. Le premier test, c'est-à-dire le test principal, est dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 5. Amen. Deuxième test est dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 12. Et notre troisième test est toujours dans le livre d'Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 3, verset 8 à 10. Je reprends. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 3, verset 8 à 10. Amen. Je bénis le nom du Seigneur, je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5. Car les âmes, verset 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Amen. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. On va lire aussi dans Éphésiens. Amen. Éphésiens 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. C'est important. Pourquoi ce thème? Parce que nous sommes à la moitié de l'année. Alléluia. Amen. Le reste de l'année, il faut que les œuvres de Dieu soient manifestes dans nos vies. Amen. Amen. Voilà. Il faut que les œuvres de Dieu soient manifestes dans nos vies. Il faut que nous allons à la source. Alléluia. Voilà. Comme la parole de Dieu dit ici, nous ne combattons pas contre la chair. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Voilà. C'est assez clair ici. Ce n'est pas le comportement des gens autour de nous ou bien la manifestation des choses démoniaques qui doit nous inquiéter ou bien qui doit nous impressionner. Alléluia. Ce sont, il faut que nous allons à la source. Donc, pour que le thème ici, c'est une stratégie pour vaincre l'ennemi. Deux points, le combat spirituel. Alléluia. Amen. Le combat spirituel est l'une des stratégies. Je peux même dire la stratégie principale. Amen. Amen. Donc ici, je voulais signifier que nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi sans aller à la source. Amen. Aller à la source veut dire quoi? C'est-à-dire sans attaquer, c'est-à-dire les chefs qui sont au-dessus de certaines principautés. Alléluia. Amen. Voilà. Par exemple, quelqu'un peut manifester un mauvais comportement envers toi. Alléluia, tu peux avoir un collègue ou bien un ami ou bien quelqu'un autour de toi qui manifeste vraiment un comportement haineux ou bien un comportement régulier, soit des jalousies ou bien des greurs, vraiment qui n'a pas de raison. Alléluia. Amen. La personne t'en veut, la personne te crée tous les problèmes, la personne cherche à t'attaquer, à te dénigrer, coûte que coûte. Alléluia. Amen. Voilà, parfois quand c'est ciblé et puis quand c'est perpétué, quand c'est assidu comme ça, finalement, il ne faut pas voir la personne. Alléluia. Il ne faut pas voir la personne. Il ne faut pas attaquer la personne. Il ne faut pas répondre à la personne. Il faut attaquer l'esprit qui manipule les pensées de cette personne-là. Alléluia. C'est ce que j'appelle aller à la source. Amen.
Voilà, parce que si tu réponds à la personne, tu ne fais qu'attiser le feu. Parce que la personne voit que, ah, il y a une réponse. Donc, ça peut encourager la personne à continuer dans la bêtise. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est un bon exemple pour éclairer un peu, pour éclaircir un peu ce que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire les esprits qui manipulent les gens contre nous. Alléluia. Les esprits qui manipulent des confréries contre nous, les esprits qui manipulent un certain entourage, qui provoque un certain comportement, voilà, qui vient contre nous, c'est-à-dire qui vient contre notre morale, qui vient contre nos atouts. Amen. Amen. Donc ici, c'est clair, nous avons des armes adéquates pour ça. Alléluia. Amen. Et nos armes sont des armes divines. Nos armes doivent être des armes spirituelles et divines, pas des armes dans la chair. Alléluia. Voilà. Donc ici, d'abord ce que je voulais souligner, c'est que ces armes-là sont puissantes. Et ce sont des armes, elles sont puissantes parce que ce sont des armes qu'on peut utiliser pour renverser ces forteresses-là. Alléluia. Pour changer les raisonnements et puis pour rabaisser les hauteurs. Alléluia. Et les hauteurs que nous devons rendre, c'est-à-dire les hauteurs que nous devons rabaisser, en fait, sont les hauteurs qui s'élèvent en fait contre la connaissance de Dieu. Amen. Parce que si quelqu'un connaît Dieu, la personne aura un comportement totalement différent envers toi. C'est-à-dire ton frère en Christ, en tant que tel, qui est plein d'amour, qui connaît vraiment Dieu, ne peut pas, doit en principe avoir un certain comportement. Alléluia. Un comportement qui s'aligne à la parole de Dieu. Amen. Donc les hauteurs vont directement contre la connaissance de Dieu. Donc il est évident que si quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est normal qu'on ne puisse pas juger la personne par rapport à son comportement. Il faut voir les esprits qui animent cette personne-là, les esprits qui manipulent cette personne contre nous. Amen. Et ici aussi, nous allons repartir dans notre texte principal, en entendant. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 5. Amen. Il se dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tes forteresses. Amen. Quand on dit que ces âmes-là sont puissantes, ces âmes-là ne sont pas puissantes de par elles-mêmes. Alléluia. Ce sont les vertus de Dieu. C'est par les vertus de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on se retrouve devant une situation, ou bien lorsqu'on se retrouve devant, par exemple, une affliction, une tribulation, c'est en fonction des attributs de Dieu. C'est en fonction des attributs de Dieu que tu dois utiliser l'âme adéquate. Alléluia. C'est en fonction de la parole de Dieu. C'est en fonction des promesses de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu dois utiliser. Alléluia. Et qui dit la parole de Dieu dit la prière. Tu ne peux pas dire que tu vas confronter ou bien tu vas aller contre l'ennemi sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est ta première arme. Amen. Amen. La parole de Dieu est ta première arme. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout passe, mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Amen. Donc ici, ces armes-là sont des armes divines et spirituelles que nous devons utiliser. Elles sont puissantes parce qu'elles nous permettent de renverser les forteresses, comme la parole de Dieu le dit ici. Et les forteresses, en fait, ce sont des puissances, des ténèbres qui tiennent en captivité parfois de génération en génération. C'est pourquoi on dit qu'il faut les renverser. Alléluia. Bon, voyez par forteresse, par exemple, les liens de péché hérités. Ça veut dire quelque chose qui est comme un étau sur ta vie. C'est-à-dire quelque chose qui ne lâche pas prise. Alléluia. Voilà, quelque chose qui ne lâche pas prise. Une situation bien. Une maladie qui règne dans la famille, c'est une forteresse. Alléluia. Soit par exemple, le grand-père est décédé de telle maladie, donc le fils aussi a cette maladie-là, et puis le petit-fils a... Non. Ce sont des choses qu'il faut refuser. Cette forteresse-là, il faut le renverser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et puis, il faut éviter le genre d'expression comme, oh, le diabète-là, c'est notre maladie. Non. Ça ne t'appartient pas, ça peut avoir appartenu à tes aïeux, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pourquoi ici on dit par la vertu de Dieu. Alléluia, c'est-à-dire englobé dans les promesses que le Seigneur nous a faites. Amen. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, les pensées, pourquoi on les envoie captives à l'obéissance de Christ? Je vais vous envoyer un peu dans le livre de Philippiens. On va aller dans Philippiens 4, verset 8.
Pendant les veillées, ce n'est pas les grandes prédications, c'est juste la parole de Dieu pour réveiller la foi. Et puis nous allons commencer à prier, nous allons faire des prières ciblées et puis nous allons faire aussi des prières individuelles. On va prier pour chacun. Tous ceux qui ont pris leur temps pour venir dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est à ça que les veillées sont réservées. Alléluia. Là, on est dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos quoi? De vos pensées. Alléluia. C'est important. Il faut noter ce passage-là. C'est le meilleur passage pour moi que j'ai trouvé qui peut expliquer ce que je m'apprête à dire. Je reprends. Verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, la vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut reprendre, je veux que quelqu'un reprenne 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, la partie où on parle d'envoyer les pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit, à l'obéissance de Christ. Alléluia. Si quelqu'un peut lire cette partie-là rapidement, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Merci, Marissa. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Et ici, dans Philippiens, c'est écrit ici que tout ce que nous avons cité soit l'objet de vos pensées. Ici, on dit ce qui est vertueux, ce qui est aimable, ce qui est digne de louange, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est vrai. Alléluia. C'est simplement la parole de Dieu. Amen. Tout ce qu'ils ont cité, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu se manifeste dans sa parole. Alléluia. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Ce qui signifie que sa parole est vraie. Alléluia. Voilà. Donc, et sa parole est juste. Amen. Donc, pour que nous envoyons ces pensées-là, les pensées captives à l'obéissance de Christ, il faut que nos pensées s'alignent avec les commandements que Christ nous a laissés. Alléluia. Amen. Que nos pensées s'alignent avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est important, je vous dis pourquoi. Parce que lorsque l'ennemi ne peut pas t'attaquer, une autre façade aussi du combat spirituel, c'est que si l'ennemi fait tout pour t'attaquer physiquement, et qu'il a échoué, qu'il voit que tu résistes beaucoup, il va commencer à attaquer tes pensées. Amen. Amen. Ce sont tes pensées. Il a beaucoup de stratégies. C'est pourquoi j'ai mis stratégie avec S. Stratégie pour vaincre l'ennemi. 2 points de combat spirituel. Donc ici, le combat spirituel, les gens pensent que c'est seulement il faut prier, attaquer l'ennemi et tout. Non, non, non. Tu peux être seul, pas être dans une congrégation, et puis tu peux toujours opérer le combat spirituel en cherchant à annuler toute pensée négative qui attaque ton esprit. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas, le plan de Satan quand il arrive à ce niveau-là, c'est de te faire, c'est de te convaincre. C'est de te convaincre que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, les pensées négatives vont s'accumuler de telle sorte que le but de Satan, en faisant ça, en te pressant, en oppressant tes pensées, ton mental, c'est qu'il veut te convaincre que Dieu ne t'aime pas. Alors que s'il arrive à te convaincre de ça, c'est ça qui fait que certaines personnes vont au suicide. Le Seigneur n'a jamais dit que nous ne serons pas affligés. Amen. Amen. Mais dans les afflictions, dans les difficultés, dans les challenges que nous avons tous les jours, notre meilleur recours
Si tu as prié, tu as fait tout ce que tu devais faire, ton autre meilleur recours, c'est de garder la foi. Et comment garder cette foi-là? C'est d'empêcher Satan de manipuler nos pensées. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que les pensées ne peuvent pas venir. Parfois, on y peut, on ne peut pas l'éviter. Mais lorsqu'il y a une pensée qui te vient en tête, il faut que tu arrives à avoir le discernement pour savoir si c'est Dieu qui a envoyé cette pensée ou bien si c'est l'ennemi qui a envoyé cette pensée. Amen. Amen. C'est important. Donc ici, je vais donner 4 points, par exemple, pour pouvoir amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Ça veut dire que il faut prier pour avoir le discernement. Le premier point, pour que tu saches comment envoyer une pensée négative captive à l'obéissance de Christ, il faut prier pour avoir le discernement. Parce que si tu n'as pas le discernement, que tu ne sais même pas que c'est une pensée négative, parce qu'il y a des pensées qui viennent, mais Satan, d'une personne à une autre, Satan sait quelle est la pensée qu'il faut envoyer. Alléluia. Amen. Voilà, il peut savoir ton niveau de discernement, il peut savoir si tu n'as pas le discernement ou pas. Et il peut commencer à t'attaquer dans les pensées. Si tu n'as pas ce discernement-là, tu ne pourras pas savoir si c'est toi-même, si c'est toi-même tes pensées, si c'est toi-même ton esprit qui te parle. Parce qu'il y en a qui arrivent à se convaincre que le monsieur qui est devant eux là, c'est l'homme que Dieu leur a envoyé. Alléluia. Amen. Et il y a des hommes qui arrivent à se convaincre que la femme qui est devant eux en ce moment, c'est le Seigneur qui lui a envoyé ça. Mais la meilleure manière de savoir cela, pour ne pas que tu fasses un mauvais choix qui va empoisonner ta vie, c'est un exemple en tout cas qui va empoisonner ta vie, il faut que tu aies le discernement pour savoir si cette pensée-là ne vient pas de ta chair, parce que tu as vu la personne physiquement, tu as attiré physiquement par la personne. Donc tu conclus que c'est la personne que Dieu m'a envoyée, sans avoir consulté le Seigneur. Alléluia. Amen. On peut donner plusieurs autres exemples. Et le deuxième point, il faut rejeter les mauvaises pensées. Amen. Il faut prier pour avoir le discernement. Et il faut prier pour rejeter les mauvaises pensées. Amen. Le troisième point, il faut que Dieu remplace le mensonge par la vérité. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu remplace le mensonge par la vérité. Ça veut dire quand la pensée vient dans ta tête, il faut te demander si cette pensée-là est en concordance avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Donc, si tu peux ne pas savoir si c'est une pensée qui vient de Dieu ou pas, mais au moins, sans avoir le discernement, tu peux au moins savoir si ça, là, ça fait partie. Par exemple, il y a une pensée qui vient dans ta tête et dit, bon, c'est vrai, c'est ton frère en Christ, hein, mais ces 50 dollars viennent de tomber. Il n'a pas vu, il n'a pas réel derrière. Vous n'êtes même pas dans l'église, c'est vrai, c'est ton frère en Christ. Marche dessus, osez quand il va partir, et puis tu récupères le billet, personne ne va te voir. Amen. Amen. Et puis, peut-être que tu as une situation même là, c'est exactement 49 dollars qu'il te faut. Et puis 50 dollars de ton frère en Christ tombe. Et l'ennemi te dit marche dessus. Et puis tu finis de causer à lui. Une fois qu'il se déplace, il n'y a personne qui regarde autour de toi. De toutes les façons, le parking est vide. Tout le monde est déjà parti. Pourtant, tu viens de causer avec ton frère. Tu dis c'est ton frère en Christ. Ou ta soeur en Christ. Mais tu es incapable de lui dire que son argent est tombé. Satan va te dire il n'y a personne. Récupère le billet, tu mets ça dans ta poche, il va te voir. Maintenant. C'est là qu'intervient ce point-là, ce troisième point que je dis, que Dieu remplace le mensonge en vérité. Amen. Amen. C'est le mensonge que l'ennemi est en train de te lancer. Maintenant, la vérité à laquelle tu dois comparer ça, les 10 commandements, dans les 10 commandements, on dit de faire quoi? De ne pas voler. Alléluia. Amen. Ah, c'est un vol. De ne pas voler. Et la parole de Dieu dit de ne pas être hypocrite. Ça dit, tu mets le pied sur les 50 dollars de ton frère en Christ, mais vous causez, mais dans ta prière, là, hein? Tu es hypocrite parce que tu es en train de prier au fond de toi, mais pour qui monte dans sa voiture pour se marier. Comme ça, tu vas vite récupérer le billet. Alléluia. Je pense que c'est un bon exemple. Donc, même que nous soyons éloignés de ce genre de pensée là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc ici, ça c'est le troisième point. Et le quatrième point, il faut apprendre à avouer nos péchés. Vous savez, il n'y a rien de tel. Hein. Jésus se manifeste mieux. Lorsque un enfant de Dieu montre qu'il est vulnérable, devant Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as un péché, ça veut dire que s'il y a un péché qui te fatigue, c'est même pas si tu as un péché, c'est pas la bonne formule. S'il y a un péché qui te fatigue, hein, la meilleure manière, c'est d'avouer ce péché-là. Que tu pries que Dieu t'envoie quelqu'un à qui tu peux te confier. À qui tu peux dire, ah vraiment mon frère, ma soeur. Ça là vraiment, à faire des pornographies là, ça me fatigue vraiment. Je vais quitter de ça, mais ça me fatigue. Il faut apprendre à confier ça. Maintenant, si tu as confié à ton frère, et puis le frère
veut pécher et qui prend ton problème pour aller faire, comment on appelle ça, voilà, Congo ça, merci, dommage, bon, pour aller faire Congo ça de ça, voilà, au moins toi tu sais que tu t'es déchargé, tu, au moins tu t'es repenti, parce que si tu ne le fais pas, ce péché-là, il aura toujours une emprise sur toi. Je vais vous donner un bon exemple. Parfois, quand je fais les délivrances, je pose des questions, je dis, bah, telle chose, parfois le Seigneur me révèle quelque chose. Mais je veux voir si la personne va avouer. Amen. Puis je demande, je dis, mais tu peux me dire au moins si. J'allais, j'encourage, je ne dis pas tout, mais j'encourage la personne à confesser. Alléluia. Mais alors qu'il me regarde dans les yeux, hein, puis il me dit exactement, totalement le contraire. Alors que la délivrance est basée sur la crue d'âme. Amen. C'est ce que tu vas me dire qui va permettre au Saint-Esprit de me révéler les choses cachées sur ta vie. Qu'est-ce qui est la cause? Qu'est-ce qui est la source de ce péché? Qu'est-ce qui est la source de ce problème que tu as? Mais ce que tu fabriques, me donner. Moi, je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. C'est à cause de ça, parfois, on prie pour certaines personnes et puis la délivrance n'est pas totale. Amen. Amen. La dernière délivrance que nous avons faite, j'ai béni Dieu pour le groupe d'intercession et de délivrance. Vraiment que Dieu vous bénisse. On a mis un temps à part. Nous sommes venus à l'église ici. Les gens étaient venus de loin, ils sont venus à l'église ici un samedi. Spécialement parce que cette personne l'avait voyagé. La personne pour laquelle j'ai fait la délivrance a été très honnête. C'est-à-dire l'honnêteté de la personne m'a dépassé. Ça fait que malgré la grandeur, hein, de l'emprise ou bien de choses, on appelle ça du péché, je peux dire inconscient. Parce que la personne n'a pas demandé à être sorcière. La personne lui a donné la sorcellerie depuis les entrailles de ses parents. Et c'est Dieu qui m'a révélé. Donc moi, j'étais un peu curieuse pour voir comment ça se passe. Et j'ai demandé comment ça se passe, qu'est-ce que tu vois, comment la connexion s'est faite. Hein, vous comprenez? Voilà. Et puis ce jeune homme-là, il m'a donné les détails. Il m'a expliqué. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais il y a un serpent qui lui donne des ordres. Et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un serpent qui te donne des ordres? Il dit oui. C'est-à-dire, il était étonné. Sérieusement surpris. Il dit oui. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est toi qui m'as dit? Il dit non. Je lui ai dit, mais tu sais qui m'a dit? Il dit non. Je lui ai dit, c'est Jésus. Parce que Jésus t'aime. Il veut te délivrer. Tu n'as pas fait exprès de te retrouver dans ça. C'est-à-dire, il faut mettre les gens confortables. Il faut rendre la personne confortable pour que la personne avoue. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ce jeune homme-là, il m'a enseigné. Il m'a dit beaucoup de choses. Hein. Il était devenu sorcier malgré lui. Mais avant qu'il ne sorte de cette salle, Jésus-Christ a délivré ce jeune homme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et il avouait que le serpent, oui, qu'il y a un serpent qui le suit. Je dis, mais aux États-Unis, s'il dit oui. Je dis, tu es venu à un salle, oui. Il dit, il n'est pas venu avec ça. Mais que le serpent le suit. Il y a une différence. Vous voyez comment il m'a corrigé? Il dit, non, il n'est pas venu avec. Mais le serpent me suit. Je dis, mais pourquoi il te suit? Il dit non, parce que c'est lui un ami pour me surveiller, pour ne pas que je cherche à quitter. Je dis, ah bon, et l'Esprit de Dieu me dit, mais tu attaques tes parents, tu attaques tes frères et sœurs. Est-ce que c'est parce que tu as envie de le faire? Il dit non. Je dis, mais pourquoi tu le fais? Il dit, c'est le serpent qui me dit de le faire. Je dis, que Dieu est fidèle, il va te délivrer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, cet enfant-là, on peut regarder, ce jeune homme-là, on peut regarder ce qu'il fait, on peut regarder les effets de ce qu'il fait. Hein? Et puis le condamner. Alléluia. Et puis le condamner. Mais l'amour qu'il a ressenti, c'est-à-dire que la manière dont nous l'avons mis à l'aise, ça fait qu'il a tout avoué. Et j'étais curieuse, j'ai dit, mais le serpent, où il se trouve en ce moment? Il dit qu'il est en bas de mon lit. J'ai dit, est-ce que quelqu'un d'autre le voit? Il dit non. J'ai dit, non, c'est toi ceux qui le voient. J'ai dit, tu le vois en ce moment? Il dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de m'empêcher de venir ici. J'ai dit, en faisant quoi? Je vous avais dit pendant une veillée que l'Esprit de Dieu m'avait révélé qu'il y avait des gens qui étaient en route et j'avais vu un accident. Il dit non, qu'il voulait qu'on fasse un accident. Je bénis Dieu parce que cet enfant-là, pourquoi je parle de ce problème-là? Vous voyez cet enfant-là, ça a été une joie pour nous de voir que le Seigneur l'a délivré de manière extraordinaire. Durant une seule délivrance, il a vu la foi. Parce que cet enfant-là même, son papa pouvait lui dire de venir ou bien de ne pas venir. L'enfant pouvait dire non, je ne viens pas. Vous comprenez? C'est pour vous dire que les gens sont tenus en captivité. Et ce n'est pas leur comportement qu'on doit regarder. Il faut aller à la source. Et délivrer les gens. Et sa délivrance a été extraordinaire. Quand on priait un moment donné pour lui,
tous les groupes de délivrance, on a attaqué les esprits qui l'attaquaient et tout. Et à un moment donné, il a commencé à regarder sur sa poitrine. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu vois? L'esprit de Dieu lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je veux vomir. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on a donné un pot. Il cherchait à vomir, mais il n'arrivait pas. Et en priant, j'ai demandé, est-ce qu'on prie en langue? En priant en langue, l'esprit de Dieu a révélé que y a ce qui veut sortir de son ventre-là. Lui, il voit ça vivant. Vous comprenez? Il voit ça vivant. Et j'ai prié, j'ai dit, cet esprit de Dieu, montre-moi ce qu'il voit. Et le Seigneur ouvert mes yeux. Il y avait un petit serpent. Ce n'est pas un gros serpent, un petit serpent dans son ventre. Donc quand le serpent, quand il veut vomir, que le serpent veut monter, il ouvre sa bouche comme ça. Donc ça fait qu'il y a un blocage. Ça ne peut pas monter. Si le serpent n'a pas la bouche ouverte, peut-être qu'il peut monter et puis vomir dans le spirituel. Il a tout fait pour essayer de vomir, il n'a pas pu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut envoyer le tourbillon de cet esprit dans son ventre pour que le serpent soit écrasé. Comme ça, au lieu de vomir, voilà, il va aller à la salle. Et c'est ce que nous avons fait. On a prié intensivement sur cet enfant-là. Mais c'est Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui ont délivré cet enfant-là. Amen. Moi, j'ai été enseigné ce jour. J'ai été enseigné et j'ai vu que l'enfant était totalement délivré. Il était content d'être délivré. Il a avoué beaucoup de choses. On ne va pas étaler parce qu'il faut couvrir les gens. Beaucoup de choses. Mais je bénis Dieu parce que ce que les puissants des ténèbres voulait l'envoyer à faire, maintenant c'était d'éliminer sa famille. Mais cet enfant était totalement délivré. Amen. Totalement délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est à cause de ce point-là que j'ai donné l'exemple. Avouer nos péchés, nos addictions, confesser pour être libéré totalement. Alléluia. Amen. Lorsque tu confesses, tu humilies l'ennemi, tu l'exposes pour que nous puissions couper sa tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Sinon, l'ennemi va chercher à vous convaincre que Jésus ne nous aime pas. En fait, c'est ce qu'il m'a dit aussi, hein, ce jeune homme-là. Il a dit que où il est là, ils disent que lui, il est roi. C'est-à-dire, où il est, de l'autre côté, il était roi. Et puis, j'ai dit non, ce sont les faux rois. C'est un faux royaume. C'est dans le royaume de Dieu. Il a réaccepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. J'ai dit, n'aie pas peur. Et à un moment, je lui ai dit, est-ce que tu revois le serpent? Il dit oui, je le vois, mais sa tête est coupée. J'ai dit, il est toujours en bas de ton lit, il dit oui, j'ai dit qu'on va prier. Ça dit, c'était étape par étape. Et l'enfant, finalement, on ne lui posait plus de questions. Il disait à chaque fois s'il y avait quelque chose qu'il voyait. Et à un moment donné, je l'ai interrogé, mais j'ai dit, mais c'est à autre chose. Et j'essaie de lui rappeler quelque chose. Il dit non, il ne se rappelle plus. Alors qu'au début de la délivrance, nous avons parlé de ça. Il dit, je me rappelle. Je dis, comment ça, tu ne te rappelles pas? Comment tu as dit ça? Et l'Esprit de Dieu m'a reprise. Il dit, mais il ne peut pas se rappeler parce qu'il n'est plus le même. Il était délivré, il ne voit plus dans leur temps. Alléluia. Amen. C'était la confirmation. Vraiment, Dieu a été extra. Le Seigneur a glorifié son nom ce jour-là. Amen. Mais je vais vous dire que la source a été le fait que cet enfant-là a tout avoué. Il a tout dit. Tout ce qu'il devait faire, il a tout dit. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Amen. 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 C'est important de se trouver quelqu'un qui va à qui on peut confesser. Ne t'occupe pas de si tu veux venir, on peut se voir. Si tu veux rendez-vous pour confesser des choses, on peut se voir. Si la pornographie te tient en captivité, il faut parler de ça. Alléluia. Amen. Si la drogue te tient en captivité, il faut parler de ça. Si la masturbation te tient en captivité, il faut parler de ça. Tout ça sont les immoralités. Quand on dit les puissances des ténèbres, là, les principautés, les dominations et tout ça, c'est un grand parapluie. Mais en bas de chaque principauté, là, il y a des choses. Je vais vous donner un exemple. Nous allons prendre ici les immoralités. C'est-à-dire, quand on dit les principautés, en bas des principautés, il y a les immoralités. Et qui dit immoralité sexuelle, que ce soit adultère, que ce soit les esprits de lesbiennes, les esprits d'homosexualité. Hein? Alléluia. Amen. Voilà, on peut en citer. Voilà, on peut continuer. Donc, si on veut parler des principautés ici, on peut parler d'immoralité. Et en bas des immoralités, il y a tout ça là qui s'allume. Maintenant, le deuxième point de quoi on peut parler, c'est l'aigreur, c'est-à-dire le manque de pardon. Quelqu'un est gris, c'est-à-dire quelqu'un t'a fait du mal. Et puis ça te fait mal. Tu es gris. Ça là, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer pourquoi c'est dangereux. Nous allons lire dans Hébreu. Hébreu. Merci. Hébreu 12. Verset 15. Amen. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
à ce qu'aucune racine d'amertume, l'amertume, alléluia, l'amertume c'est l'hébreu, l'amertume, à, c'est-à-dire à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne détruise, ne produise du tout et plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Alléluia. C'est clair là. Hein? C'est un seul verset, mais il est profond. Amen. Hébreux 12, verset 15. Je relis. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que l'amertume peut te priver de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, donc là on a dit poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Donc l'amertume, les graisses, c'est une source d'infection. Et puis quand on dit n'en soient infectés là, c'est pas ton corps, ça va infecter. Ça aura des dérivés sur le corps, mais ça va commencer à infecter tes pensées, ton cœur, jusqu'à créer des maladies. Il y a des gens là, il y a des gens qui t'ont provoqué depuis longtemps. Eux, ils vivent en paix. Il y a longtemps, ils ont oublié. Mais toi, tu as gardé souvenir. Donc, quand tu les vois là, tu commences à avoir palpitation. J'aurais dû dire ça. Ou bien, est-ce que je lui disais ça? Il y a longtemps, il a oublié. Il y a longtemps, il a oublié. Il a refait sa vie, elle a refait sa vie. Donc, l'amertume là, c'est toi-même qui s'empoisonne. Ça crée des racines, ça crée des troubles. Alléluia. Je ne comprends pas que le Seigneur veut que j'insiste sur ça. Des troubles, ça t'infecte mentalement, ça t'infecte physiquement. Ça dit, ça infecte ta santé. Quand on dit des rejetons, ça dit des choses indésirables. Amen. Troisième principauté de que je peux parler, c'est s'accrocher aux valeurs éphémères. Ça dit, troisième point, les valeurs passagères, les valeurs temporaires. Elles sont différentes des valeurs éternelles. Alléluia. C'est-à-dire, c'est des personnes qui aiment s'accrocher au matériel. Ils sont accrochés au matériel. Ça, ce sont les principautés. Accrochés à l'argent. Esclaves de maman. 3-4 boulots. Tu n'as pas le temps de venir à l'église. Tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur nous en délivre. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste quelques points. Parce que nous sommes dans une veille. On va conclure. Comme ça, nous allons prendre le temps de prier pour chacun. Alléluia. Notre conclusion, en fait, ici, je vais m'attarder. On va aller dans Éphésiens 3. C'est la parole qui délivre. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens 3, verset 8 à 10. J'ai la parole de Dieu. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est une manière de dire que l'ennemi est puissant. Satan est puissant. Alléluia. Amen. Mais Dieu est tout puissant. Amen. Et le pouvoir, la toute puissance de Dieu, hein, ce pouvoir-là, il l'a donné à l'Église. Alléluia. Amen. Donc s'il y a des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes, voici ce qui, c'est, voici la réponse à ça. Voici l'arme puissante que le Seigneur nous a donnée. C'est-à-dire que c'est à travers nous. Nous ne devons pas avoir peur des sorciers. Nous ne devons pas avoir peur des attaques. Nous ne devons pas avoir peur des démons parce que nous avons le pouvoir. Alléluia. Amen. C'est à travers l'église, c'est l'église qui doit faire les délivrances. Moi, je suis surprise qu'il y a des églises, non seulement qui ne font pas les délivrances, là même encore, il n'y a pas de problème, mais qui n'en parlent même pas. C'est comme si cette partie-là n'existe pas dans la Bible. Mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie épanouie s'il n'y a pas de délivrance. Tu ne peux pas vivre une vie épanouie s'il n'y a pas de prière, chose intensive. Tu ne peux pas vivre une vie épanouie. Alléluia. Parce qu'il y a des forteresses qui doivent être brisées. Il y a des forteresses qui doivent être renversées. Alléluia. Amen. Et il n'y a personne d'autre pour les renverser. Si ce n'est que toi, à travers le combat spirituel. Alléluia. Amen. Et pour mieux avancer dans le combat spirituel,
Nous sommes déjà victorieux avant même de rentrer dans ce combat-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que le Seigneur nous confirme ici. Donc voici la conclusion de tout ce que nous avons vu. Alléluia. Amen. Ne soyons pas effrayés, au contraire, il faut que nous exerçons le pouvoir que Dieu nous a donné. Le pouvoir du Saint-Esprit est à travers la prière et la prière de combat. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre, nous allons prier. Amen. Amen. Chacun va se repentir. Nous allons prier, nous allons nous repentir pour, par rapport à cette parole-là, tout ce que nous avons fait qui n'a pas. Je voulais dire à quelqu'un, excusez-moi une minute. Je voulais dire à quelqu'un qui est là que, ou bien quelqu'un qui est connecté en ligne, que Jésus n'a jamais cessé de t'aimer. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il n'a jamais cessé de t'aimer. Je m'avance. Jésus-Christ n'a jamais cessé de t'aimer. La personne, il y a quelqu'un qui a des difficultés en ce moment qui se dit, mais comment se fait-il que dès que je sors d'une difficulté, il y a une autre qui se présente devant moi. Alléluia. Amen. Dès que telle chose finisse, voici quelque chose d'autre qui arrive. C'est-à-dire que c'est tribulation après tribulation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te ronge. L'ennemi est en train d'attaquer tes pensées. Alléluia. Amen. Tu as résisté jusqu'à présent. Et ce n'est pas toi qui as résisté. Parce que le Seigneur dit qu'il ne peut pas donner un fardeau qui est plus lourd par rapport à son enfant. Il nous connaît mieux que quiconque. Alléluia. Amen. Si tu traverses quelque chose et puis c'est difficile, dis-toi que Jésus est avec toi. Amen. Jésus continue de t'aimer. Amen. Amen. L'ennemi veut te pousser à penser que c'est parce que Jésus ne t'aime pas. Oh, mais Dieu, Jésus, mais pour que tu abandonnes la foi. Alléluia. Amen. Il fallait que je souligne cela parce que j'ai senti dans l'esprit qu'il y a quelqu'un ici qui est à la fin. Pas à la fin, mais je veux dire qu'il est fatigué, qui est beaucoup fatigué. Voilà, tu te demandes comment se fait-il que ce problème-là, il perdure. Amen. Amen. L'Éternel, tu me dis de te dire qu'il n'a pas cessé de t'aimer. Amen. Amen. Il est toujours au contrôle. Que ces pensées négatives-là soient chassées dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que ta bénédiction n'est pas loin. Amen. Alléluia. Amen. Je ne le dis pas pour le dire, sinon on s'apprêtait à prier. Alléluia. Amen. 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 Chacun va se repentir. Il y a des choses auxquelles nous sommes accrochés. Alléluia. Qui font des portes à l'ennemi. Mais Jésus n'est pas là pour nous juger. Mais néanmoins, nous devons nous repentir. Alléluia. Répentons-nous pour toutes les portes ouvertes que nous avons faites. Parce que si nous devons attaquer les principautés, ou bien si on doit aller évangéliser, on ne peut pas aller évangéliser quelqu'un qui est dans l'adultère. Et puis nous, on est dans l'adultère. Ça ne peut pas marcher. La personne ne va même pas nous écouter. Alléluia. Amen. Élevons la voix et prions que chacun se repense. Éternel Dieu, mon roi, voici ta parole. Toi-même, tu nous enseignes aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole qui nous fait toujours du bien. Ta parole, Père de Tout-Puissant, qui nous sonde. Ta parole, Père de Tout-Puissant, qui nous rectifie, Éternel Dieu, mon roi, qui nous transforme, Papa. C'est pourquoi je viens à toi ce soir après cette parole et je me repens. Papa, je reconnais que j'ai péché. Père, tout ce qui est mauvais à tes yeux, je ne veux même pas te dire, tout ce qui est mauvais à tes yeux, je reconnais l'avoir fait. Que ce soit dans mon comportement, que ce soit dans mes pensées, dans mes actions. Seigneur, j'ai péché contre toi. Peut-être il y a des moments où j'ai eu l'amertume. Il y a des moments peut-être j'ai été aigri, éternel Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, il y a des moments peut-être j'étais tombé dans des immoralités. Il y a des moments où j'ai mis les valeurs, Père Dieu Tout-Puissant, éphémères, devant tes valeurs éternelles, éternel Dieu, mon roi. Je te demande pardon. Qui suis-je, éternel Dieu, mon roi? Je ne suis rien. J'étais dans la poussière, l'Éternel. J'étais dans le péché, l'Éternel de mon roi. Et toi, tu as décidé de me racheter et de me donner le nom d'enfant de Dieu, l'Éternel. Le Père Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui est mauvais à tes yeux, Seigneur, que ce soit dans mon comportement, dans mes actes, dans mes paroles, l'Éternel de Tout-Puissant, dans mes actions, Jésus-Christ de Nazareth, dans mes pensées. Parfois, j'ai laissé mes pensées être attaquées, l'Éternel Dieu, mon roi. Oh, Papa, je te demande pardon. Pardon les péchés de chacun de nous, pardon les péchés de mes ancêtres, les péchés de mes parents, les péchés de mes enfants, moi-même les péchés. Je te demande pardon. J'invoque ton sang précieux pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier, éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur, rends-nous blancs comme la neige, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardon les péchés de chaque membre de ton église, pardon les péchés de toute personne connectée, Père Dieu Tout-Puissant.
à cette veille de prière, éternel Dieu mon roi, que ton sang nous purifie, ton sang nous nettoie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Père de Dieu dit amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons prier. Le combat spirituel s'est fait debout. Amen. Alléluia. Tu vas te couvrir du sang de Jésus. On ne peut pas faire le combat spirituel sans rentrer, sans se couvrir du sang de Jésus. Et quand je dis se couvrir du sang de Jésus-Christ, c'est chacune de tes activités, que ce soit tes enfants, tout ce qui t'appartient doit être couvert du sang de Jésus. Alléluia. Et devant l'envoi et prier au nom de Jésus. Oh, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens, Père de Tout-Puissant, le ministère dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque enfant de Dieu ici présent est connecté en ligne, couvert du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que de gloire et de fidélité, je plonge tout ce qui m'appartient. Nos voitures sont plongées dans le sang de Jésus. Je plonge chacun de mes enfants dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tout est bien, l'éternel Dieu, mon roi. Ma maison, mon travail, tout ce qui nous appartient, plongé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pareil pour chaque membre de cette congrégation, éternel Dieu, mon roi, présente ou absente, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bien sommes plongés dans le sang de Jésus. Nous couvrons tout du sang de Jésus. Nos maisons, nos activités, nos voitures, l'éternel Dieu Tout-Puissant, nos différents boulots, nos finances sont plongées dans le sang de Jésus. Le ministère plongé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque responsable, oui, Père de Tout-Puissant, plongé dans le sang de Jésus-Christ. Chaque enfant, chaque femme, chaque homme est plongé dans le sang de Jésus. Nous couvrons tout du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Nous allons renverser des forteresses. Les forteresses, c'est quelque chose qui a une emprise, un auto-puissant sur ta vie. Alléluia. Amen. Tu connais les forteresses qui te fatiguent. Amen. Amen. Tu connais les forteresses qui te fatiguent. D'abord, nous allons attaquer les forteresses familiales. Alléluia. Amen. Et devant la voix et prions. Renversons-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais ce qui règne dans ta famille, c'est une forteresse. Tu les renverses au nom de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant. Je renverse toute forteresse de pauvreté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse toute forteresse, oui, de disette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, lui, brachez, t'auras brassé, dégrébrez, souris, chalabaramatou, crassi, trébrobo, manatana, chégrabarabra, toute forteresse qui règne dans ma famille, toute forteresse familiale, du côté maternel, du côté paternel. Je les renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse toute forteresse satanique qui règne dans ma lignée familiale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ribrache, je renverse toutes les forteresses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Dieu de gloire, les forteresses, Père de Tout-Puissant, du célibat sont renversées maintenant au nom de Jésus. Les forteresses, Père de Tout-Puissant, qui règnent dans ma famille, les forteresses de sorcellerie sont vaincues, renversées au nom de Jésus. Les forteresses, Père de Tout-Puissant, qui règnent, que ce soit de mon côté paternel, que ce soit de mon côté maternel, je les renverse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les échecs au bord de la réussite, je les renverse au nom de Jésus. Ces forteresses d'échec, je les renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, lui, brachez, tra, brassatra. Régrachikara, brapé, le son, et les charabras, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas annuler les dépôts d'échecs dans ta vie. Alléluia. Amen. Les dépôts d'échecs. Alléluia. Les dépôts. Pourquoi je dis dépôts? Parce que ces dépôts-là peuvent venir de manière cyclique ou bien par saison. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que par exemple, Si tu t'apprêtes, par exemple, si l'ennemi voit que tu t'apprêtes, par exemple, à rentrer dans un mariage, il peut chercher à faire un dépôt d'échec par rapport à ta future vie conjugale. Alléluia. S'il voit que, par exemple, tu as fait un deal en business et que l'ennemi voit que ça va prendre, il cherche à faire un dépôt d'échec pour que les choses se coulent à la dernière minute. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce sujet-là est là. Donc nous allons annuler les dépôts d'échec dans chaque aspect de nos vies. Et puis tu peux mettre plus de précision dans l'aspect de ta vie que ça attaque le plus au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Oh Père de Tout-Puissant, j'envoie, j'annule tous les dépôts d'échecs dans ma vie au nom de Jésus. J'annule tous les dépôts d'échecs dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tous les dépôts d'échecs, Père de Tout-Puissant, dans ma vie au nom de Jésus. J'annule tous les dépôts d'échecs dans ce ministère au nom de Jésus.
de Jésus. J'annule tous les dépôts de chèque éternel de mon roi. Dans chaque aspect de ma vie, dans chaque aspect de la vie de l'Église, dans chaque aspect de la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On libre à élève la voix et prie. Il faut prier à haute voix. Ne regarde pas ton voisin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es fatigué des échecs dans ta vie, c'est le moment d'annuler les dépôts d'échecs dans l'aspect précis de la vie où il a un étau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On reproche ta terre et à ma soirée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous annulons tout dépôt d'échecs. Tout dépôt d'échec dans notre vie conjugale, tout dépôt d'échec dans notre vie financière, au nom de Jésus, dans notre vie spirituelle, tout dépôt d'échec dans notre vie spirituelle est vaincu, est détruit, annulé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans les études des enfants, les dépôts d'échec sont annulés, au nom de Jésus. J'annule les dépôts d'échec dans la vie de chaque enfant de Dieu ici présent, dans la vie de toute personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas détruire ça. Tu vas prier contre toute malédiction de désordre sur ta vie familiale. C'est-à-dire sur ta vie et sur la vie de ta famille. Sur toi-même ta vie et puis sur la vie de ta famille. Amen. Amen. Tu vas annuler, tu vas détruire. Tu vas déprogrammer, annuler toute malédiction de désordre sur ta vie. Amen. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est désordre dans ma vie, tout aspect de ma vie, oui, qui subit une malédiction de désordre, je détruis, je déprogramme cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déprogramme tout désordre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prochain à passer. Au nom de Jésus, tu vas annuler toute malédiction. Je ne vous entends pas, et je vais la voir parler à l'ennemi. Au nom de Jésus, toute malédiction de désordre qui a été prononcée sur ma vie, sur la vie de ma famille, je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. J'annule toute malédiction de désordre. Une malédiction de désordre qui a été prononcée sur ma vie, sur la vie de cette église, sur la vie des enfants, sur la vie des femmes, sur la vie des hommes de cette église et chacune de nos familles. Nous annulons toute une malédiction de désordre. Tout ce qui est désordre dans nos vies est déprogrammé, est annulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous sommes fatigués d'avoir une vie désordonnée. Pour les enfants de Dieu, notre Dieu est un Dieu d'ordre. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Tout désordre, toute malédiction de désordre qui a été prononcée dans chaque aspect de notre vie, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans la vie des enfants, que ce soit dans nos carrières, nous les annulons au nom de Jésus. Nous les annulons au nom de Jésus. Alléluia. Tout désordre dans notre vie, toute malédiction de désordre qui a été prononcé sur notre vie, nous les annulons au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les annulons sur la vie de nos enfants au nom de Jésus. Nous les annulons sur la vie des hommes au nom de Jésus. Nous les annulons sur la vie de chaque membre de nos familles, sur la vie des femmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie des désordres n'est pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que tout ce qui est immoralité soit enlevé de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Il ne faut pas donner le port de l'égalité. C'est-à-dire que tu connais le petit péché qui te fatigue. Alléluia. Amen. Tu connais le péché qui te fatigue. Amen. Si ton voisin à côté de toi que tu es gêné, ce n'est pas un problème, mais il faut prier. Il faut annuler ça, c'est-à-dire que tout ce qui est immoralité dans ta vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es accroché à des immoralités, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas parce que tu veux le faire. Parfois, ce sont des choses pour pouvoir tuer la vie de prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. On dit, bon, ok,
Satan, il nous a échappé, il est converti. Mais même si ça va s'asseoir à l'église, là, qu'il n'entende rien. Donc, pour qu'il n'entende rien, pour qu'il ne soit pas accroché, il ne fallait pas que tu viennes seulement chauffer les bancs. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont collé un péché mignon dans ta vie. Amen. Tu as des problèmes pour payer la dîme et les offrandes. C'est difficile pour toi de donner 10%, alors que Jésus t'a donné 100% de boulot et 100% de salaire. Alléluia. Amen. C'est un péché. C'est un péché. Si tu veux une pensée financière, il faut que tu apprennes à mettre cette parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et puis si tu ne te sens pas bien, si tu n'es pas encore marié, il faut sortir d'affaires de copains et puis copines. Alléluia. Amen. Ce sont des immoralités. Ce sont des portes d'ouverture. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, les principautés, les forteresses là sont assises sur toi. Tu ne peux pas les déplacer. Amen. Amen. Et Dieu est un Dieu miséricordieux. Il nous a dit tout à l'heure quoi? Qu'il nous aime, quelle que soit notre tribulation. C'est pourquoi il nous montre les stratégies. Comment attaquer l'ennemi. Comment faire une prière qui est ciblée de telle sorte que toutes ces oppressions qui sont sur nos vies là soient ôtées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier. Que toute immoralité à laquelle tu as accroché, regarder porno, faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être même il y a des tendances lesbiennes. Peut-être il y a des tendances, comment on appelle ça, d'homosexualité. Ou bien peut-être des vraiment des perversités. Que parfois les pensées, ça peut ne pas être forcément les actes. Hein. Même dans la pensée. Dans la pensée, ça arrive. Prions, s'il vous plaît, frère. C'est important au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, mon roi, nous prenons autorité, nous nous élevons maintenant contre toute immoralité, Père de puissance, à laquelle nous sommes attachés dans nos vies, nous les chassons de nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'addiction de la drogue est ôtée de la vie de quelqu'un, au nom de Jésus, l'addiction à la cigarette, l'addiction au sexe, Père de puissance, au mariage, soit chassé de nos vies, au nom de Jésus, tout ce qui est immoralité sexuelle, les déviations sont chassées de nos vies, de nos pensées, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit dit penser, Seigneur, c'est un péché de ténèbres. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous les chassons de nos vies, au nom de Jésus. Nous les chassons de nos vies, les démons de masturbation. Nous les chassons de nos vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On y brache, les esprits de fornication. Les chassons de nos vies, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, les démons d'adultère, nous les chassons de nos vies, nous disons non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Brichatra, Treko, Shaliabatra, Bresko, Shirelele, Rabrasko, Rishori, Rishori, au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit amen. 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 Tu vas déraciner les arbres des mauvaises habitudes de ta vie. Amen. Amen. L'arbre de la colère, il faut le déraciner. Alléluia. Amen. 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 L'arbre de la méchanceté, il faut le déraciner. L'arbre de l'amertume, il faut le déraciner. L'arbre de la jalousie, il faut le déraciner. Amen. 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 Tu es béni le nom du Seigneur. Quand j'ai vu notre ligne de conférence, l'invitation au mariage de notre soeur Maman Raïssa. Et j'ai béni Dieu par rapport à la réaction de tous ses frères en Christ. Tout le monde était versé sur la page en train de dire congratulations. Ça n'a même pas encore commencé la simple invitation. Ça veut dire que le 24 juillet, ça va chauffer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Merci Seigneur. Donc tu vas prier, il faut déraciner. Amen. Amen. Parfois, il y a des choses qui poussent la racine. On coupe l'arbre et puis on ne sait pas que la racine est là. Pourquoi? À cause de ce genre de phrase-là. Non, j'ai pardonné, hein. Mais je n'ai pas oublié, quoi. Je me méfie un peu. Non, c'est que tu n'as pas pardonné. Amen. Amen. Bon, ça dépend, excusez-moi. C'est vrai. Tu as pardonné, ça dépend. Quand tu dis que tu n'es pas obligé, c'est vrai, tu n'es. Si quelqu'un t'a offensé plusieurs fois, tu n'es pas obligé d'être dans le sillage de la personne. Mais il y a des civilités. Alléluia. Amen. Quand tu vois la personne, il faut saluer la personne. Tu ne peux pas amener, tu ne peux pas ne pas saluer la personne. C'est pas parce que tu as peur de la personne. Non, un enfant de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Amen. Amen. Mais il ne faudrait pas que le comportement de quelqu'un t'amène à humilier la personne publiquement. Il faut saluer ton ennemi. Alléluia. Amen. C'est la personne qui s'est érigée à ton ennemi. Sinon, tu es amour.
Alléluia. Amen. Voilà. Même on peut se méfier de la personne. Mais je veux dire, quand tu dis, ah, j'ai pardonné cette femme, mais je n'ai pas oublié. Voilà, ce genre de phrase-là, ça veut dire qu'il y a la racine. On dit les rejetons. On sait ce que la parole de Dieu a dit tout à l'heure. Hein? Les rejetons. Les rejetons de l'amertume amènent des infections. Alléluia. Amen. Donc, on ne veut pas d'infection spirituelle. On ne veut pas être infecté spirituellement. Alléluia. Amen. Donc, déraciner. Il faut déraciner les arbres. Il faut déraciner les mauvais arbres. Non, il faut déraciner les arbres des mauvaises habitudes de notre vie. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Père de Tout-Puissant, j'ai déraciné tout arbre de colère, tout arbre, Père de Tout-Puissant, tout ce qui a été mis en moi, Seigneur, tout ce qui est rancœur, de près ou de loin, Seigneur. Père, sonde nos cœurs, éternel Dieu mon roi. Sonde nos cœurs, éternel. Tu nous connais mieux que quiconque, éternel Dieu mon roi. Là où peut-être, Père de Tout-Puissant, l'orgueil, où la rancune, où l'amertume, où la colère est cachée, quelle que soit la petitesse de la racine éternelle, je déracine ce tas et je le jette dans le lieu à lui, le nom de Jésus. J'envoie le feu, non seulement je le déracine, mais j'envoie le feu du Saint-Esprit sur les différences des mauvaises habitudes. Au nom de Jésus, les habitudes de la chair sont consumées maintenant. Les actes des mauvaises habitudes, les actes de la chair sont consumés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les actes des mauvaises habitudes, les actes qui m'amènent, Père de Tout-Puissant, à raisonner pour ne pas venir dans la maison du Seigneur, pour avoir des arguments, des excuses, Père de Tout-Puissant, qui ne tiennent pas. Oui, Père de Tout-Puissant, pour ne pas que je rentre dans ma bénédiction, je déracine ces mauvais actes. Les actes de mauvaises habitudes dans ma vie, je les déracine dans la vie de chaque enfant de Dieu, connecté en ligne, dans la vie de chaque enfant de Dieu ici présent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il faut parler. Lève la voix et parle. Tu peux parler plus que ça. Lorsque la colère te prend, on peut t'entendre jusqu'à combien de mètres. Il faut lever la voix et parler aux mauvais actes, qu'ils soient déracinés de ta vie. Au nom de Jésus, les actes de la méchanceté, les actes de la sorcellerie, les actes, oui, du mensonge, les actes de Tout-Puissant, de la jalousie, soit déraciné de ma vie, au nom de Jésus, les actes de l'amertume, de l'aigreur, les actes de l'outrage sont vaincus, déracinés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les actes de mal parler, les racines des actes de mal parler sont déracinés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit amen. Amen. Tu vas prier contre toute flèche de désordre mental. Que toute flèche de désordre mental, quand il dit mental, ça veut dire toute flèche de désordre qui vient contre ton cerveau. Toute flèche qui vient contre ton cerveau vient contre toi, vient contre tes pensées. Alléluia. Voilà, tu sais, c'est ça même qui a été notre... Tout ce qui attaque nos pensées, ce sont des flèches qui sont à la base de ça, dans le spirituel. Alléluia. Donc, toute flèche de désordre mental au niveau du cerveau, toute flèche qui envoie des mauvaises pensées, il faut les retourner à l'envoyeur. Amen. S'il y a une flèche, c'est qu'il y a quelqu'un qui a envoyé la flèche. La flèche ne vient pas seule. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une flèche peut apparaître seule? Non. Hein? Si on dit une flèche qui vient contre toi, ça veut dire qu'elle a été lancée. Amen. Voilà, maintenant on l'envoie. Simple. Amen. À simple hasard. Amen. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche qui vient contre mes pensées, toute flèche qui vient contre mon mental, toute flèche qui attaque mes pensées, qui cherche à m'envoyer le stress, qui cherche à m'envoyer l'anxiété, qui cherche à m'envoyer le désordre, la peur. Oui, je la retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute flèche qui vient à travers la parole que quelqu'un a prononcée, quelque chose qui était mal dit sur ma vie, je la ramène à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Toute flèche de l'ennemi retourne à l'envoyeur. Toute flèche de sorcellerie retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Toute flèche qui est lancée à la mentale, qui cherche à me décourager, qui cherche à manipuler mes pensées. Oui, je les envoie. Je les ramène cette flèche à l'envoyeur. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Toute flèche qui a été lancée à Michael dans son mental, qui a été lancée à qui que ce soit, qui a des trous mentaux éternels, au-delà des pensées, si tu es
béni soit le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Tu vas mettre deux mains sur ta tête comme ça. Vous avez vu ce que ma femme a fait, lui-même m'a dévancé. Tu vas mettre, voilà, tu vas mettre deux mains sur ta tête. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te remets mes pensées. Je te remets mes pensées. Qu'ils soient captifs à l'obéissance de Christ. Qu'ils soient captifs à l'obéissance de Christ. Déracine, Seigneur. Déracine, Seigneur. Toutes les mauvaises pensées de l'ennemi. Toutes les mauvaises pensées de l'ennemi. Change, éternel Dieu, mon roi. Change, éternel Dieu, mon roi. Les mensonges de l'ennemi à ta vérité. Les mensonges de l'ennemi à ta vérité. Que mes pensées s'alignent à ta parole. Que mes pensées s'alignent à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes pensées s'alignent aux promesses que tu as faites pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes pensées soient des pensées positives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes pensées ne soient pas manipulées par les circonstances autour de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes pensées s'alignent à tes commandements pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit déraciné de tout rejeton de la chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant et prends le contrôle de mes pensées. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ses pensées au nom de Jésus. Libère ses pensées au nom de Jésus. Libère ses pensées au nom de Jésus. Tu es un menteur, Satan. Libère ses pensées au nom de Jésus. Libère ses pensées au nom de Jésus. Libère ses pensées au nom de Jésus. C'est un ordre. Libère ses pensées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Libère ses pensées au nom de Jésus. Libère ses pensées de tes mensonges au nom de Jésus. Libère ses pensées de tes mensonges au nom de Jésus. Libère ses pensées de tes mensonges au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Sors! Sors de ces pensées! Lâche prise! Lâche prise au nom de Jésus! Libère! Au nom de Jésus! Pas de la diarrhée! Lâche prise! Lâche tes pensées au nom de Jésus! Prends tes pensées sataniques! Prends tes pensées d'échec! Prends tes pensées d'anxiété et de détresse! Et pas de la diarrhée! Pas! Je déracine cette table au nom de Jésus. Quand tu tombes, au nom de Jésus, tu tombes sous la puissance.
de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pars. Elle ne continuera pas la maison avec toi. Pas de monde d'anxiété. Elle est stressée. Oppression satanique. Viens de l'esprit smiley. Tu es brisé, tu es chassé. Dans la dernière, tu es déraciné. Prends tes rejetons. Les maladies imaginées que tu as dans son corps. Il faut que le médecin la tienne. Il faut des faux diagnostics. Sonne. Prends des faux diagnostics. Et tu sonnes. Au nom de Jésus. Méprise. Sonnez au nom de Jésus, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre qui ne peut résister. Le feu, le feu, le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu. La pensée négative, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le Saint-Esprit de l'univers, les pensées négatives, les pensées mensongères de l'ennemi. Au nom de Jésus, ta famille est libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ta famille est libérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je délie son mari. Je délie son mari. Je délie les bénédictions de son mari. Elle et lui forment une seule chair. Je délie ses bénédictions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan. 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 Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, touche les lignes. Sortez, sortez, Fais de Dieu, libérez maintenant au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, ne peut résister. Ou tu ne repartiras pas à la maison avec elle. Libère-la maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas la peine de nous perdre de temps. Libère-la maintenant au nom de Jésus. Sortez, 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 au nom de Jésus. Je brise ton emprise. Je brise ton emprise. Je brise ton emprise. Je vous retourne vos fourmis sataniques. Je vous retourne vos fourmis sataniques. Je vous retourne vos fourmis sataniques. Vos fourmis, oui, d'anxiété, de stress. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Fire! 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 F
Pas de la vie, 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 pas de la vie
Ces pensées sont reprogrammées au nom de Jésus. Ces pensées sont reprogrammées.
acclamé au nom de Jésus. Ce qui a attaqué cette pensée, cette santé, redevient une santé normale, une santé divine. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute situation qui était bloquée, elle sort maintenant de l'étau. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, merci. Merci Jésus-Christ. Merci éternel Dieu, mon roi. Puissance de feu, consume à sa vie tout ce qui est de l'ennemi, tout plan de l'ennemi, tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été prononcé sur sa vie est devenu négatif, est annulé ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute incantation qui est faite dans le spirituel sur sa vie est revoquée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la guérison est son partage. Au nom de Jésus, la guérison est son partage. Au nom de Jésus, la guérison est son partage. Au nom de Jésus, par les maîtrises de Christ, elle est guérie, Seigneur. Toi, tu sais de quoi est souffre, Seigneur Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, je bénis ton Saint-Nom et ton Fils, éternel. Tout ce qui est du monde, tout ce qui ne te glorifie pas, l'éternel, dans cette pensée, elle détruit au nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu reprogrammes cette pensée, l'éternel du monde. Tu reprogrammes cette pensée, l'éternel du monde. Tu le sens de tout ce qui ne te glorifie pas dans cette pensée. Au nom puissant de Jésus. Que cette divasse, tout ce qui est électronique, Seigneur, tout ce qui pénètre dans cette pensée par rapport à tout ce qui est électronique, qui ne vient pas de toi, est neutralisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lord, I bless your holy name. I rebuke any demonic thought. I rebuke any kind of thought, any kind of peer pressure that comes from his friend, that comes from his surrounding. I've destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Lord, let our kids live in holiness in the mighty name of Jesus Christ. In his Lord, in his devices. I plead the blood of Jesus upon his device, inside his device, his electronics. His electronic gadget in the mighty name of Jesus. Any pervasive, anything that does not glorify your name is rebuked out of his life in the mighty name of Jesus Christ. And claim holiness upon his life in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Toute attaque de l'ennemi qui attaque les pensées de ton serviteur, Seigneur. Toute attaque de l'ennemi par rapport à son travail, l'éternel du roi. Dieu de gloire et de fidélité, c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence. Toute emprise au niveau du travail, Seigneur, qui s'élève contre lui, Seigneur, que non seulement cela s'éloigne de ses pensées, l'éternel, parce qu'il est plus que victorieux, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il doit avoir une réponse, Seigneur, que cette réponse l'étale au nom de Jésus, que l'inquiétude soit bannie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ses affaires prospèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, au nom de Jésus, Dieu de fidélité. Il peut ne pas avoir quelqu'un de confiance, mais sa confiance est placée en toi, pas en ses collègues ni en ses patrons. Pas en ceux qui sont en train de gérer ce projet sur lequel ils travaillent en ce moment, l'éternel. Tu es Dieu, l'éternel. Que l'inquiétude soit bannie, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'éternel. Restons ces pensées, l'éternel. Que tout ce qui est stress relié au travail soit ôté. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est stress relié à ces affaires soit ôté. Au nom de Jésus-Christ, l'éternel. Que la gloire te revienne à toi, ce papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que je n'ai pas touché, vous pouvez ouvrir la main. Vous pouvez la main en signe de réception. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, voici les mains que tes enfants ont levées. Tu es Dieu, Seigneur. Ils ont mis leur emploi du temps à part pour venir dans ta maison, pour honorer de notre présence cette veillée, papa. Agis dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forteresse qui s'est élevée contre eux depuis qu'ils étaient dans les entrailles de leurs parents, que cette forteresse soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit tout ce qui est emprise de l'ennemi
de l'ennemi qui a tenu leur bénédiction en captivité, que ce soit dans les éléments de la nature, que ce soit dans l'entourage, que ce soit à travers qui que ce soit, qui est comme l'homme fort de leur famille. Au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous dénions les bénédictions au nom de Jésus. Nous dénions les bénédictions au nom de Jésus. Nous brisons toute emprise de tout homme fort dans leur famille. Tout homme qui pense qu'il retient leur bénédiction. Qu'il est le contrôle de leur génération. Nous la battons par la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, mon roi, tu connais le besoin de chacun. Je dis, tu connais le besoin de chacun, éternel. Ce qui est racine d'échec, tout ce qui est grain d'échec, dans chaque aspect de leur vie, est voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Je dis, voué à l'échec au nom de Jésus. Toute flèche qui est dirigée sur chacun d'eux, que ce soit ce que cette flèche vise, que cette flèche retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mauvais grain, toute mauvaise racine qui se propage dans leur corps, que le temps puisse déchirer. Pour envoyer quelque maladie que ce soit. Pour déclencher quelque maladie que ce soit. Nous les déracinons au nom de Jésus. Nous tuons ces grains avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute personne qui prononce des malédictions par rapport à cette saison, cette deuxième partie de l'année qui a commencé, Seigneur, je dis toute personne qui prononce des malédictions sur la vie de chacun de tes enfants ici présents ou connectés, Seigneur, que ces malédictions retournent contre ceux même qui l'ont prononcé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car Seigneur, tu as dit toute malédiction qui est prononcée sans cause et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit consume maintenant tout plan de l'ennemi dans vos vies. Au nom de Jésus. J'ai dit la puissance du Saint-Esprit consume maintenant tout plan de l'ennemi dans vos vies. Au nom de Jésus. Dans chaque aspect de vos vies, au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui font les affaires, bénis-les. Père de tout puissant, ceux qui veulent des enfants qui sont mariés, bénis-les, éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui veulent croître spirituellement, que tu les bénisses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ceux qui sentent des oppressions sataniques, des oppressions démoniaques, dont tu ne sais pas d'où ils viennent, Seigneur, que tu les débarrasses, que tu les délivres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toute personne qui a un blocage quelconque, quel que soit dans quelle situation, quel que soit dans quel aspect de sa vie, tous ces blocages sont ôtés ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, que ta faveur, ta grâce et de Dieu mon roi, remplisse la vie de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, que la puissance de ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance, descende sur tes enfants, que ta puissance descende dans chaque aspect de leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parce que ce n'est pas par notre force, ni notre intelligence, mais c'est par ton esprit que tout est possible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant contre les pensées négatives qui viennent perturber chacun de tes enfants pour chercher à tuer leur foi. Ces pensées sont neutralisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que chacune de nos pensées soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Que nos pensées s'alignent à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous le discernement, Seigneur, afin que nous fassions la différence entre nos pensées directes et les pensées qui viennent de toi et les pensées qui viennent de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de chacun de nous. Glorifie ton Saint-Nom surtout dans la vie de nos enfants. Saint-Esprit de Dieu, tu prends le contrôle de leur device, le contrôle, Père de Dieu puissant, de leur gadget, le contrôle de leur téléphone, de leurs ordinateurs, de leur iPad.
La puissance du Saint-Esprit trie les programmes. Au nom de Jésus, éloigne-les de tous tes éloignements de toi. Rapproche-les de tous ceux qui vont les rapprocher de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, donne la sagesse divine, l'intelligence divine à chacun de tes enfants, Seigneur, de s'accrocher à ta parole, Papa, et de reconnaître l'ennemi. Et même si l'ennemi est puissant, Seigneur, rappelle à tes enfants dans leur pensée que toi, tu es tout puissant et que ce pouvoir, la puissance du Saint-Esprit, tu l'as placé en nous, Seigneur, afin que nous allons et fassions de toutes les nations les disciples. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur. On n'a pas fini, on a 15 minutes. Je voulais prier pour chacun. Si chacun peut s'avancer, s'il vous plaît. C'est ça la veille, prière. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint. Merci pour ton serviteur. Saint-Esprit, Dieu, tu connais ses besoins. Glorifie ton Saint, mon Seigneur, dans la vie de ton Fils. Glorifie ton Saint, mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la prochaine trabratin, trabraco, les chats, les gosses, les gars. Récréchin, trabraco, balatas, ori, chéri, bébé. Oui, car les chats, ori, carré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et elle est du tout puissant. Moro chantra brako para sendra brako shigra brako li. Ribros conta raba santri ko shigra brako la rakuli. Ora soli chantre broko makatari abasondro ko satra kashikre broma. Ribros conta ri abasondre broko kashikra brako. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À cause de ce que je ne connais pas le besoin de chacun, c'est pourquoi je prie en langue. Parce que quand je prie en langue, ce sont des mystères que je vois aussi. Ora va chantre bro magate kra shikre bro magate kra rasto dro bo magata re brasto karia shitre bro magate ri bros kontra va ko shikre bro magre va shitre de ne poi kak shtus ke bro sandre bro ko shikra va ko de ori o no puissant de Jésus. Amen. Robra contoria basondre broca ma si tre broma. Rebro shontro kishi kabasori soli di soli. Poi cari son grazie fuori sandre brocoto. Non trascendere. O non puissant de Jésus. O non puissant de Jésus. O non puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Shikre bro makasikra bra ori shadra re sondro bo makasikre bro bo pasindra re tu kra bra skondere bo makasikre bro bo pakashikre priskontaria sondro ko shera bra 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 ro bra skutro bra shikra bra bo sori di o nom de Jésus, o nom puissant de Jésus Christ, o nom puissant de Jésus Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Éternel Tout-Puissant, Prokashikra Brako Makate, Rabras Konto Robro Makate Rabakoso, Prashikre Brokarabason Rabakota, Rikroshitre Tre Robo Santo Rokosho. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Roche cra bratera para posondro cocha, mara sotre brasondre cocharia, rimros contira basondro brocochere, rimros contire gashikra, matus condoro, posondro cochere. Au nom de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Le Seigneur avant les offrandes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Cette deuxième moitié de l'année, ce ne seront que des témoignages. Alléluia. 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 Merci Jésus. Nous avons traversé notre feu. Je parle de la part de l'Éternel. Amen. Nous avons traversé notre feu. Amen. En cette deuxième partie de 2021, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous verrons la gloire de Dieu. Toi, tu verras la gloire de Dieu en tant que temple individuel du Saint-Esprit. Et l'Église, en tant qu'entité, verra la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez remercier le Seigneur ensemble, mon Jésus. Éternel Dieu, mon roi, je vais te rendre grâce. Ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Merci parce que tu nous as permis de renverser les forteresses. Merci parce que, Père Dieu Tout-Puissant, toi, tu savais que chacun de nous avait des pensées attaquées, l'Éternel Dieu, mon roi. Et toi, tu as décidé d'emmener ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Merci, Dieu de gloire. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es le Dieu de tout temps et de toutes circonstances. Quel que soit ce que nous traversons, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci, Père de Tout-Puissant, pour tes bénédictions sans limite dans nos vies. Oh, Papa, tu as dit de te glorifier en tout temps et en toutes circonstances. Nous te disons Hosanna. Nous te disons Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as fait
pour ce que tu fais et continue de faire dans nos vies, parce que tu as dit que tu es le Dieu je suis. Nos yeux sont fixés sur toi, l'Éternel Dieu mon roi. Tu as dit, celui qui place sa confiance en toi n'est jamais confus, l'Éternel Dieu mon roi. Merci Seigneur, parce que la confusion est retournée à l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as délivré chacun, Éternel de Tout-Puissant, de tout péché caché, l'Éternel, afin que, Père, nous n'ayons aucune porte d'ouverture devant l'ennemi, afin que nous allons, Père de Tout-Puissant, aller faire de toutes les nations les disciples durant les différents programmes qui arrivent, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, parce que toi tu as déprogrammé par ta puissance tous les plans de l'ennemi, comme ton Église, comme tes enfants, l'Éternel, ceux qui sont présents, ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont connectés en ligne. Père, nous te disons merci pour la vie de chacun, pour le souffle de vie. Merci, Père Dieu Tout-Puissant. Oui, Père, pour le voyage de Papa Kenan, qui est sous ta grâce jusqu'à son arrivée, l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Acclamez pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui a été béni ce soir? Amen. Que toute la gloire vienne au Seigneur. Nous allons en ce moment apporter nos dîmes et nos offrandes. Bonsoir frères et sœurs. Je bénis encore le Seigneur pour me donner cette occasion. Effectivement, le mardi, c'était vers 14h30. J'ai entendu le coup de téléphone de mon épouse qui me signalera qu'elle avait commis un accident. Et quand je me suis rendu sur le lieu même de l'accident, et j'ai compris que c'était pratiquement un truck, une camionnette géante qui l'a cogné derrière, et elle est allée cogner devant un autre véhicule. Mais imaginez-vous la scène quand elle a connu cet accident. La personne qui a causé cet accident a failli fuir. Maintenant, Dieu merci, il y avait un office des used cars. Ils font louer les véhicules. Ces gens ont quitté leur endroit pour bloquer la personne physiquement. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu cette scène? Donc, la personne qui voulait fuir, qui a causé deux accidents, a voulu fuir, mais les gens qui étaient dans le magasin ont quitté pour bloquer le gars. Comme ça, sans véhicule, sans rien. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir tous les éléments nécessaires. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. C'est ce témoignage que je voulais rendre au Seigneur. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a gardé maman Agnès, celle qui souffre dans cet accident. Que toute la gloire lui revienne. Comme je disais tantôt, c'est les offrandes. Nous allons apporter. Et rapidement, nous trouvons que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Thank you.
c'est le moment des offrandes. Si nous pouvons nous lever pour te remercier au Seigneur. Alléluia. Amen. On se met debout pour clôturer.
Amen. Amen. Ezekiel, my colleague, will you stand up, please? Prophet. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, tu es Dieu. Merci car tu as dit, il ne l'a pas parvu, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tes enfants ont mis ta parole en pratique. Maintenant qu'il est l'heure pour que nous retournons, Père Dieu Tout-Puissant, à la maison, que la paix et la joie divine accompagnent chacun de tes enfants et soient leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis les esprits d'accident et d'incident au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a un cas, Père Dieu Tout-Puissant, que ce soit de papier, Seigneur, ou bien que ce soit d'application de l'éternel de Tout-Puissant, que la faveur s'attache à leur dossier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je délie les bénédictions de tes enfants qui avaient été liés au nom de Jésus. Je lis toute puissance de l'ennemi qui cherchera à s'élever contre leur future bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es un Dieu des saisons. Tu es un Dieu qui demeure. Et encore, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque tu commences, tu termines, Seigneur. Papa, termine ce que tu as commencé ce soir, au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, éternelle, que les témoignages, Père Dieu Tout-Puissant, soient le partage de chacun de tes enfants, même ceux qui sont connectés à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu fortifies ma famille, mon nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité. Nous te disons merci. Pour chacune, l'éternel, que tu continues de restaurer, amen, que tu continues de guérir totalement. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour chacun de tes enfants. Les mains qu'ils ont levées, l'éternel, c'est un signe de réception que tu déposes dans les mains de chacun de tes puissants, selon les besoins de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce les accompagne, Seigneur. Qu'ils soient bénis en abondance, afin qu'ils soient source de bénédiction éternelle pour les membres de leur famille, pour leur entourage éternel. Pas seulement bénéficiaires financiers éternels. Que leur vie de prière soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu entoures chacun d'une muraille de feu. Tes anges comme autour de chacun de chaque membre de leur famille, ici comme au pays, ainsi que ceux qui sont connectés sur les médias. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes dons soient manifestes pour les différents programmes que nous avons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.